La délégation du parti Agir pour la République, conduite par son secrétaire général, poursuit sa mission dans le Grand Équateur. Pascal Kang a sensibilisé la population des Bikoro sur les élections prochaines. Il a profité de cette occasion pour valider les adhésions de la population de ce coin à ce parti cher à Guy Luando. Poursuivant sa mission d'itinérance dans la province de l'Équateur pour redynamiser le parti agissant pour la République, le secrétaire général d'AREP et sa délégation sont arrivés à l'étape du territoire de Bikoro, situé à 126 km de Mbandaka. Ils ont assisté à l'adhésion de plusieurs habitants de ces coins dans ce parti de Guy Luando Mboyo. Avant d'atteindre Bikoro, lors de ses longs périples, Pascal Kanga s'est arrêté dans nombreux villages pour communier avec la population de ces coins, où désormais les drapeaux d'AREP flottent fièrement, confirmant l'ancrage de ces partis dans toute la région. Au cours de ses voyages de la haute hiérarchie d'AREP, Pascal Kanga a rappelé aux populations locales la tenue des élections générales du 20 décembre 2023, tout en réitérant son soutien à la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Bikoro, la population a demandé au secrétaire général de ce parti de plaider auprès du ministre d'État Guy Luando Mboyo au parachèvement du stade de Bikoro. Aussitôt saisi de cette demande de la jeunesse de Bikoro, le ministre Guy Luando s'est engagé à financer la poursuite de la construction du stade le plus rapidement possible, de sorte que la clé du stade de Bikoro soit remise à ses bénéficiaires dans un bref délai. La population de ce coin, qui a appris cette nouvelle, était dans une joie immense et remercie vivement son bienfaiteur.